Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Rogue, bien entendu. Alors, juste avant, on va, que je voulais faire la dernière fois, aller au magasin général, qui est pas très loin, pour voir si on peut se racheter des munitions pour Shay, peut-être des améliorations, je ne sais pas, on verra bien. Par contre, si tu peux descendre de là, merci. On va emprunter le chemin, on va pas aller sur les toits, surtout pour si peu de chemin. Donc, bah, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Et voilà, on va continuer ce petit épisode tranquillou. Hop, on va aller directement ici, on va ouvrir la porte bien entendu. Et on va voir ce qu'il a à nous proposer. Alors, acheter. Attends, comme d'habitude. Alors, vendre cargaison. Alors je ne sais pas, ouais, le tabac on va vendre. Mais je crois que c'est tout, il y a peut-être de la pierre, ouais, voilà. Mais ça n'a pas rapporté ouais, 15, waouh. C'est pas la folie. Alors, on va surtout racheter des munitions, parce que je vois que là, il y a pas mal de munitions qu'on peut acheter, donc on va tout reprendre comme il faut. Non, fléchette pétard, j'ai dit que je prenais pas, et bombe fumigène que j'ai dû en utiliser une sur Adewale, mais c'est tout. Ensuite, on va voir ce qu'il y a en ensemble épée d'ague. Alors, est-ce que quelque chose pourrait être meilleur que ce qu'on a? Il y en a un qui perd en vitesse. Les sabres d'infanterie, apparemment. Ok. Mais je vais plutôt regarder les pistolets. Parce que j'ai tendance à utiliser mon pistolet plus facilement. Donc ouais, non, il n'y en a pas d'autres. J'aurais bien aimé un truc à 4 coups. Ouais, non. Non. Ouais, non. Je regarde un instant. Ouais, non, mais il n'y a pas ce que je veux en fait. Ouais. Il n'y a pas ce que je veux. Bon, bah tant pis. Munitions, c'est mon appris. Tenue, on va regarder vite fait. Mais j'ai pas envie d'en acheter une. Sauf si j'en trouve une vraiment qui me plaît pour changer. Mais non, je crois pas. Ouais, non. Peut-être assassin sombre, mais bon, non. Ok, bon, bah tant pis. Hop, on quitte. Et on va sortir et on va continuer le scénario. Donc on a plutôt bien avancé la dernière fois. C'est vrai que j'ai coupé un peu brusquement, mais bon, voilà. Mais là, cette fois, on va essayer de refaire un petit peu le même délire. On va essayer de continuer de bien avancer en essayant d'aller là-bas déjà. Je sais pas si on retourne au Jackdo, mais je... Au Jackdo, oui, bien entendu. Comment il s'appelle? Le Morrigan. Je sais pas si on retourne au Morrigan, mais je pense, vu que c'est en bord de mer. Et je ne sais pas du tout où c'est qu'on va se diriger pour la prochaine mission. On va bien voir, de toute façon. Ouais, c'est quand même loin. Je croyais que c'était plus près que ça, moi. Je croyais qu'on s'était téléporté au près, mais apparemment, non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, c'est pas vraiment... Ah non, on retourne pas du tout au Morrigan. Ok, on a lancé directement une mission ici. Avec Ethan. Avec Ethan. Ok. Où est ton chef? Je ne dirai rien. Il me tuerait. Si tu ne dis rien, il te tuera. Dans le grand manoir. Celui avec les jardins. Tu es prêt? Alors, on va re-suivre Ethan, j'imagine. Vous n'avez pas dit que... Bon, ça va, il va pas... Il va pas doucement, parce que sinon ça m'aurait vite saoulé. Alors, en fait, je le pensais, oui. Où c'est qu'on va aller? Ici? Où l'avez-vous obtenu? Non. Si on peut les attaquer? Ok, moi j'aime bien, moi si on peut tuer, moi ça me va. Ça me va. Ah mais non, c'est pas lui qu'il faut. Ah, je suis habitué à tuer les soldats en rouge, mais non. C'était pas le cas, ok. Ah, mais en même temps, tu restes dans mon chemin, mec. T'as qu'à te bouger le cul. T'as qu'à rester ailleurs, merde. Viens directement sur moi. Pourquoi tu ralentis toi d'un coup? Sors pas ton épée, ça me stresse, j'ai l'impression que tu vas faire du mal à quelqu'un. Or, on sait très bien que t'es un enfant de cœur, donc ça serait vraiment dommage que tu fasses du mal à quelqu'un. Ok, là ça sent pas bon. Je sais pas s'il parle ou quoi. J'ai pas mis le son, donc je sais pas s'il parle. Ok, localisez votre cible. Ok, ça marche, je vais essayer de faire un petit peu le tour. Histoire de pas arriver directement dans la gueule du loup. Ah bon, en fait j'ai pas le choix, ils ont barricadé partout. Est-ce que je peux monter par... Non, pas du tout. Donc je suis obligé de passer par la grande porte. J'ai bien l'impression. Donc salut les enfants. Hop, je vais directement vous tuer comme ça. Ce sera plus rapide. Et comme ça, si les gars ils veulent passer, bah ça va être plus simple pour eux. Voilà. Ah,
Pourquoi ça veut pas Bah oui, mais là il y a un petit souci là. Tu m'étonnes que je me fasse tuer. Ça veut pas en fait enchaîner. Bon, bah c'est pas grave, on va recommencer. Ça voulait pas enchaîner les ennemis, ça voulait pas les attaquer, les contre-attaquer. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé. On va recommencer, c'est pas grave. Bon, c'est un peu gênant quand même. On va bien voir. On va bien voir ce que ça va relancer. Mais c'était assez gênant. C'est bizarre qu'il y ait que cet endroit là pour passer. Je vais regarder à droite. C'est vrai que j'étais à gauche, donc je vais essayer de regarder à droite, mais... Oulala, le bug de texture, merci. À droite, ça a l'air d'être faisable. On va voir. Alors, je sais pas si sur les caisses je peux passer et ça serait trop beau. Ouais, voilà. Peut-être sur l'arbre. Voilà. Ça va être un peu plus simple. Esquiver un peu les ennemis qui sont sur le côté. Voilà. Waouh, j'avais oublié qu'il y avait ces petits salopios. Alors, il va être où? Hop. Ok, il va être vers la gauche. Je peux pas grimper? Non, je peux pas grimper. Donc tant pis, je vais faire le tour par là. Et je vais essayer de monter tout en haut de la bâtisse. Oh, voilà. Ce que j'allais dire quand même, pour si peu, ça va être vraiment dommage. On va continuer par là. Il y a juste un à gauche. Je vais essayer de le trouver. Ah, bordel. Je sais pas où c'est qu'il est, mais lui en tout cas il m'a trouvé. Alors, elle pour activer la vision d'aigle. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Bon, le chevalier doit m'attendre. Hope. Bon voyage. Il était temps que tu penses. Désolé qu'on doive en arriver là. Tu étais un être fascinant. Alors ça, je m'en rappelle, et c'est vraiment juste horrible. Donc on va essayer de se manier... Ah oui, non, faut pas aller du tout dans le nuage, j'avais oublié ça. Ça va être horrible, je crois que ça va monter de plus en plus, ou un truc dans le genre. Donc on va essayer de se manier, parce que bah ça va être horrible, et on n'a pas le droit non plus de toucher le sol, puisque ce gaz, là, va nous faire du mal. Mais je crois qu'il monte au bout d'un moment, sinon ça serait un petit peu trop facile. Donc on va essayer de... Ouah, ouah, c'est bon, ça le fait. Hop, on va passer par là. Je sais pas, c'est vraiment le chemin le plus court, mais bon. Que je regarde vite fait avancer. Ok. Avant qu'on avance, parce que si je me gourde en droit. Non, mais là j'étais bon. Hop. Voilà. Parce qu'en fait, il ne faut absolument pas toucher le sol. Vous pouvez, hein, mais vous avez vraiment galéré à prendre, à remonter, quoi. À cause de ce sol empoisonné. Donc là, ça va, c'est pas empoisonné. Donc on peut monter par le palan. Hop. Alors, on sait quelle est elle. Tu es bien plus endurant que je l'imaginais. Ok. Alors là, ça va juste être horrible. Je me rappelle absolument de cette mission et j'ai galéré à la tuer. J'ai galéré à la tuer, c'est vraiment chaud. C'est plus ce qu'elle nous a donné, mais c'est un truc... je sais plus vraiment. On va bien voir, de toute façon, on va avancer, mais je sais que ça doit être assez chiant. Je la trouve même pas en plus. Toi, lâche-moi, là. Saleté de maraudeur, ou je sais plus comment ils appellent ça, les chasseurs, ou je sais plus quoi, mais c'est horrible. Je sais qu'il y en a dans le coin, mais j'ai... Ouais, voilà, bah, je me suis fait désynchroniser. Je sais à chaque fois qu'il y en a dans le coin, parce que ça nous l'indique avec les chuchotements et les trucs, là. Les sortes de brumes sur les côtés de l'écran. Mais... Et en même temps, je me concentre sur la mission, et je me concentre pas forcément sur ce qu'il y a autour. Donc, bah, bien entendu, je me fais attaquer... Ce qui est normal, je vais essayer de prendre de la hauteur. Non, on peut pas, ouais, sinon ça serait trop facile, j'imagine. Parce que je voulais me dépêcher, mais tant pis. Hop là, toi tu t'es. Et comment dire, le 100%, j'ai vraiment galéré. Parce que, il faut pas engager le combat, il faut courir tout le temps. Et franchement, c'était horrible. J'ai réussi à le faire, mais franchement, c'était horrible. C'était horrible parce que voilà, vous devez courir et ne pas vous faire repérer, donc c'est vraiment assez chaud, hein, je tiens à le dire. Pour ceux que ça tente de faire le 100%, c'est assez chaud, sauf si vous avez une technique. N'hésitez pas à la partager, mais voilà, franchement, j'avais bien galéré.
Je vais faire toujours ma technique de fourbe, qui est à dire de tirer sur l'ennemi. Bon, par contre là c'est vrai que je vais ralentir, donc ça va être mauvais signe. Hop là, quitter la zone empoisonnée, c'est fait. Donc ma technique de fourbe qui va être, voilà, comme je disais, de tirer sur l'ennemi comme pour... Oh, oh non. Oh non, le coup. Et en fait, je me faisais tirer par les ennemis derrière qu'elle avait empoisonné ou je sais quoi. Et oui, bien sûr, un maraudeur, un chasseur, je sais plus comment ils appellent ça, qui m'a tout simplement terminé. Bon, bon, bon. On va retourner, on va recommencer comme tout de suite à passer par là. Je sais pas vraiment si c'est la bonne technique. Je vais juste. Ah non, ça va être chaud. Ah, sortir la petite grenade fumée. Hop, comme ça, si elle me suit encore, bah cette fois elle s'est pris le fumigène, donc ça va la calmer, à moins qu'elle ait un masque, mais ça m'étonnerait franchement qu'elle en ait un. Et voilà, cette fois on est tranquille, on va pouvoir poursuivre. Hop. Donc je vais essayer de faire des techniques de fourbe. Ah, toujours son maudit poison à elle. Je vais essayer de faire des techniques de fourbe en lui tirant dessus dès que je pourrais l'avoir, mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Ah bah ouais, mais quitter la zone empoisonnée, c'est chaud aussi. Ah voilà, voilà. Je suis complètement gouré de touches, c'était vraiment horrible. Bon, je vais essayer de remonter en haut, là pour l'instant je la suis à côté. Si par chance ça descend, ça serait nickel, mais faut pas rêver. Je vais essayer de commencer à prendre de la hauteur. Ouais, il y a son poison horrible. Ok, bon, déjà on est remonté en hauteur, donc on va pouvoir essayer de la poursuivre. Ah, maudit poison! Il est horrible son truc, et puis en plus je ralentis, donc ouais, je suis obligé de courir pour contrer l'effet du poison, mais en même temps, bah, je ralentis parce que je me rate. Donc là c'est pas mal, elle est en dessous de nous, un seul faux pas et on la tue. Ouah, heureusement j'ai matraqué X. Tu arrives. Encore trop tard. Hope. Je n'ai jamais voulu ça. Je t'ai formé pour ça. Tu ne m'as pas déçu. Alors pourquoi? Pour donner à Liam le temps de fuir. Bientôt, le chevalier atteindra le site des précurseurs. Je serai sur sa route. Il te verra arriver. Dommage. Tu étais si prometteur. Mission accomplie, mémoire de caresse de l'acier terminée. Donc là, bah, vous doutez bien qu'on va éliminer petit à petit nos anciens collègues, nos anciens amis assassins. Donc ça va être pas trop mal. Alors, on va juste... Ok, c'est là-bas, Amérique du Nord. Ah non, quoique, attendez, on va zoomer encore plus, enfin dézoomer encore plus et on va voir où c'est qu'on peut aller pour aller plus vite. Ok, Atlantique Nord, je vais essayer de zoomer. Et faut aller directement... Mission scénario, ok, mais j'aimerais bien me téléporter. Impeccable. Hop, en Perse. Donc c'est nickel, on va pouvoir se déplacer directement vers notre prochaine mission. Ça va nous faire gagner du temps et ça va être super bien. Comme ça au moins on va pouvoir avancer dans les missions sans durer trop longtemps à faire les voyages, aller-retour. De toute façon, voilà, vu qu'on est plutôt très bien avancé dans l'histoire, on a... 40% je crois, mais bon, ça compte pas. Enfin, les pourcents, ils comptent également les lettres, etc. à récupérer, donc ça va plutôt vite. Donc le scénario doit faire peut-être 50% à lui tout seul, je sais pas vraiment. Donc voilà, alors je sais pas s'il faut s'amarrer ou pas, ou il faut lâcher la barre. Et je vois notre petite mission scénario qui est pas très loin. Je sais pas d'ailleurs si on pourrait renvoyer des navires, je vais essayer après si on peut retourner voir, mais je pense pas. Bonjour monsieur. Master Cormac, que me vaut ce grand plaisir? J'étais venu me ravitailler lorsque j'ai appris que le merveilleux capitaine Cook se trouvait ici. Puis-je vous parler? À votre service, comme toujours. Je cherche un homme.
Le capitaine Louis-Joseph Gauthier, chevalier de la Vérandrie. L'explorateur ? J'ai entendu parler de lui et de son illustre famille. Je dois le voir. Ah, faites-lui mes amitiés. Enfin, si vous voulez. Il a mis le cap à l'est il y a quelques jours, en direction d'Anticosti. Anticosti. Shay, soyez... soyez prudent. Oh, je connais les lieux. Alors, je vous souhaite bonne fortune. Je m'apprête à traverser la baie de la Conception, au cas où vous auriez besoin d'aide. Trop aimable. Alors, naviguer jusqu'au fort d'Anticosti. Je suis obligé d'y naviguer ou je peux me téléporter? C'est où ce bordel? Non, je pense que... Ouais, voilà, indisponible. Ça me semblait un peu trop beau parce que bon, c'est juste à côté. Je pense qu'ils se sont dit quand même, on va pas le faire téléporter exprès là-bas. Donc c'est pas grave, on va reprendre un petit peu la mer. J'ai envie de vérifier... Ah, je sais pas. Non, tant pis, on regardera une autre fois. Je voulais regarder si l'émission du Sénat... Je sais plus comment ils appellent ça. L'émission navale était finie, mais je pense pas, donc ça sert à rien de regarder. Bon, là-bas, il y a deux bateaux, mais je pense que c'est mort, on va pas se les faire. Et c'est bizarre, j'arrive partout. Ah, là, voilà la longue vue. Oh, le manneau noir. Oh, lolo. On va essayer de les esquiver, j'ai pas vraiment envie. Qui nous attaque? Observez l'événement. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je pense que c'est à cause du manneau noir. Mais ah bah ça rapporte, hein. Ça c'est sûr, ça rapporte. Ah, on voit même pas en fait. On voit même pas ce que ça donne. Mais je crois que c'est parce que c'est nos alliés aussi. Oui, c'est nos alliés, c'est pour ça. Donc on va éviter de les attaquer. Je me disais, c'est bizarre, on voit pas, mais ouais, non. Bah, vous avez beaucoup de matos, j'imagine, les enfants. Mais je vais vous laisser tranquille. Bon, alors, on arrive près de Anticosti. J'essaie de... Ouais, non. Si, on va le faire. Hop. Juste péter l'iceberg, histoire que... Ça nous gêne moins. Après, bon, ça fait des vagues accélérates. J'espère que ça va pas nous enlever les... Comment dire... Ah non, c'est une onde de surface. Oui, c'est vrai. Alors, par contre, je vois qu'il y a pas mal de bateaux ici. Est-ce qu'il faut les éliminer avant ou pas? Ah, je crois bien. Hein. Je crois que... Ouais. Je crois qu'on va se les faire. Hein, on n'a pas vraiment le choix. Tant pis. Ah, j'arrive pas à le viser son truc. Voilà. Il y en a un autre derrière. Ah, j'avais pas vu. Ah, je l'avais pas vu le fourbe. Ils sont puissants ou pas? Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. J'espère qu'on pourra en aborder un. Histoire de reprendre de la vie si on galère vraiment. Waouh. Ok. Ils nous ont juste enlevé deux barres de vie en un coup. Ah, ok. Ça aborde. Ok, ça veut aborder. Waouh, la vache. Ah oui, ils rigolent pas. Ils rigolent pas du tout. Il faut en éliminer combien? Tuer l'équipage ennemi, tuer le capitaine. Oh là 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 là. Toi, tu dégages de mon bateau. Il y en a encore d'autres ou pas? Je vais aller de l'autre côté directement. Salut. Oh merde, raté. Non, c'est pas grave. Ah non, purée, je les rate tous là. Je suis avec mes lames secrètes. Ah ouais, c'est pour ça que je galère un petit peu. Je vais remettre les épées d'agues, voilà, hop, donc ça on va éliminer ça assez vite. Ah, toi tu fais chier. Sache-le, toi tu fais chier bien comme il faut. Il a failli me toucher en plus. Ah, hop là, je sais pas s'il est mort, oh il est mort. Ok, elle est où l'autre cible? Toi, voilà, et le capitaine, waouh. Le capitaine fait très mal. Le capitaine fait extrêmement mal. Le capitaine m'a tué. Oh là 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 là. Alors je sais pas si on peut y aller en mode discretos sur Anticosti. Je sais pas, on va essayer. Mais ça me semble très mal barré. Je vais essayer, mais bon, après je pense que c'est l'onde de surface aussi de l'iceberg qui a fait en sorte que ça les a énervés, je pense, parce que ça les a touchés. Mais bon, tant pis. Alors je vais essayer de faire un petit peu le tour. De toute façon, faut aller jusqu'à la côte. Donc ça peut-être le faire. Voilà, il me regarde pas, donc hop, on va naviguer jusqu'à là. De toute façon, fallait pas naviguer jusqu'à Anticosti, donc voilà, faut faire le tour de l'île, j'imagine. Hop, on va s'amarrer. Et on va voir la suite de la mission. Alors, ah, faut que j'aille jusqu'à là-bas. Sérieux, tu peux pas me mettre un logo de mission pour me dire...
pour me dire que ça marche. Ah oui, là on est dans de la glace. Ah bordel, on est dans de l'eau gelée et c'est vraiment le bordel. Clac clac clac, je sais pas si c'est vraiment le bon chemin, mais j'imagine. J'en vois pas 36 000 de toute façon, donc pour moi c'est le bon chemin. On verra bien. Je vais aller vers la gauche. Libérer des otages sans vous faire repérer. Oui, bah ça on verra. Voilà, donc on est pas trop mal. Hop, voilà. Alors je sais normalement qu'on peut continuer tout droit en prenant une lanterne, mais je ne sais plus vraiment comment on fait. Ok, débusquer le chef des brigands. Oui, bah ça on verra bien. Toi ta gueule déjà. Ah, bordel de cul. J'y pensais et il l'a fait. Je me suis dit, est-ce que je l'élimine de loin et voilà, mais lui il l'a fait avant moi. Ah bah tu descends, bah ça m'arrange tiens. Comme ça je vais pouvoir t'éliminer directement d'ici. Toi par contre tu m'énerves. Ah, ça doit être lui le chef j'imagine. Ah là. Alors, est-ce que c'est toi le chef? On va bien voir. Non, c'était pas lui. Ah oui, il est là-bas le logo, d'accord, j'avais complètement pas vu. Salut. Impeccable. Ah bordel. Voilà. Ah, ça va alerter tout le monde. À peine discret. On l'a éliminé comme il faut, mais on s'est fait repérer comme il n'y a pas. Je vais faire un truc de fourbe. Hop, les petites bombes fumées. Venez dedans, ça vous fera plaisir. Je vais essayer d'éliminer les gros. Ah. Désolé si je parle pas beaucoup. Hein. J'essaye de me concentrer parce qu'on a plus beaucoup de vie. Donc on va essayer de faire ça assez proprement. Ouais, lui il est encore en vie, mais j'espère que le contre va pas du tout marcher. Et notre petite bombe fumée. Voilà. Bon, toi tu devrais pas me poser trop de soucis. Impeccable. Ok, ça c'est bon. Je vais remettre les pistolets pour après. Il faut que je retourne par là-bas. Faut que je retourne au Morrigan. Bah oui, bien entendu. Alors, par contre, comment on y retourne au Morrigan? Ça va être le souci. Je pense qu'il faut que je reprenne le chemin que j'ai pris à l'aller pour le retour. Ce serait logique. J'ai essayé de passer par là. Voilà. Histoire de gagner un peu de temps. Ouais, en fait, pas du tout. Parce que je suis obligé de suivre le chemin inverse. Donc, en fait, je suis obligé de remonter tout en haut. À moins. Que je puisse sauter directement. Ah, peut-être. Peut-être, je vais essayer. Ah, oui, mais c'est de l'eau glacée, c'est vrai. C'est de l'eau glacée. Donc, bah, on a intérêt de se manier les fesses. Parce que sinon, bah, on va perdre toute notre vie. Heureusement, ça a rechargé, mais va falloir qu'on se magne. Bah, c'est bizarre, l'eau... Ah si, voilà. Je veux dire, elle ne me fait pas perdre de vie, mais si, ça y est, c'est parti. Donc là, on va devoir se manier, c'est bon, ça va le faire. Donc ne pas... c'est pas comme dans les autres tracés où que vous pouvez sauter dans l'eau, et voilà. Là, il y a de l'eau qui est glacée, donc vous allez perdre petit à petit de la vie. Par contre, le Morrigan se fait allumer. Mais un truc... je ne sais pas par quel navire, je les vois pas, mais waouh. Ah, fuyez vers la haute mer, mais t'es marrant, toi. Ah là là, 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 là. Bah, j'ai pas le choix, je vais devoir foncer sur eux, je voulais pas, mais j'ai pas le choix. Je suis obligé d'aller dans la gueule du loup, parce que là, je prends vraiment beaucoup de dégâts. Heureusement, il y a des alliés qui viennent, donc ça va un petit peu m'aider. Et toi, tu m'as l'air d'être assez puissant, ouais, niveau 23, frégate niveau 23. Ça va peut-être le faire. Ah d'accord, un allié, c'est ça ton allié, waouh. C'est un petit navire. Ah non, non, c'est un ennemi, ok. L'allié, il est là-bas. Il est pas censé venir pour m'aider, mais moi j'en profite. Je me tire, tel un gros lâche. Voilà. Je me casse très loin de cet endroit. Alors, il doit y avoir du vent parce que mon Morrigan part sur la droite. Je sais pas vraiment si c'est le vent, mais on va plutôt se... De toute façon, nous on se casse. On a réussi, donc on se tire. Et c'est bon, les bateaux sont... Les alliés ont dû les éliminer, ceux qui restaient, donc c'est impeccable. Je pense qu'on aura quitté la zone rouge. Ça aura compté la mission. On verra bien, de toute façon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal démerdé, donc c'est nickel. Je sais pas par où il faut aller maintenant, par contre. Parce que là, on a fui. En toute logique, ça devrait être bon. Donc, je sais pas par où qu'on va se diriger maintenant. On va bien voir. Là, je continue à rester en haute mer, mais bon, j'aimerais bien qu'ils me disent par où aller exactement. Ok. Mission accomplie, mémoire 3, pas d'autre loi que la nôtre. Hop. Et on va continuer. Alors le truc ne joue aucun garde, c'est quand même assez drôle parce que à votre aller vous allez pouvoir en éliminer plusieurs, donc bon, au retour c'est normal que bah, vous allez avoir personne vu que vous aurez déjà fait le plus gros du ménage juste avant.
On va aller vers Terra Nova et on va pouvoir se diriger vers notre prochaine mission. Ça nous fait gagner un peu de temps, donc on verra bien jusqu'où on verra bien si ça nous aide vraiment beaucoup. Je fais une petite pause buvette. Parce que parler pendant longtemps, ça commence à me faire mal à la gorge. Tout à l'heure, vous avez peut-être dû m'entendre en train de m'étouffer. C'est possible. J'avais plus beaucoup de salive pour pouvoir parler. Ça m'arrête maintenant. Non, pas tout de suite. On va pas aller là. Nous, on part vers la gauche. Alors, le truc, il va péter sous notre bateau, j'imagine. Ah, j'en étais sûr que j'allais me le taper. J'en étais sûr, mais à un point. C'était impossible, en plus. C'est impossible que je me le prenne pas. Alors franchement, on va essayer de sortir de cet endroit là. Ça va être un peu la galère. Moi, ah, quoique non en fait. Je croyais que ça allait être plus galère que ça. J'ai hésité à me téléporter vers l'autre endroit qui était en dessous de notre destination. Parce que celui là fallait sortir de ce creux là. Mais apparemment ça se fait plutôt bien. Et on va pouvoir rejoindre le navire qui est au loin. Donc ça se fait plutôt facilement. Une amélioration. Alors j'aime bien. Une amélioration sont actuellement disponibles. Une amélioration est actuellement disponible. Bah vous savez quoi, avant qu'on aille vers cette mission, je vais juste regarder dans la cabine du capitaine pour voir justement quelle est cette amélioration, pour pouvoir la faire, si c'est utile, si c'est pas utile, on la fera pas. Je vais accéder à la flotte aussi juste avant. Pour moi les missions ne sont pas finies, mais bon. Ah bah si, il y en a une qui était finie, donc bon bah heureusement que j'ai regardé. Deux missions, et la troisième ? Et la troisième, ah non, c'est un objet à collecter. Et la troisième mission était finie. Bon bah impeccable, on va pouvoir en relancer. Alors Cap Français, on a quoi, Barbade, Floride. Ok, bah alors Barbade, bah de toute façon j'ai que trois navires, donc on va faire les trois. On répare le navire. Est-ce que tu vas avoir assez de pourcents? Ouais, 94, j'y crois. Cap Français, hop, je répare le navire. Lui par contre il avait pris pas mal de dégâts. Ouais, 95, c'est bon. Et le dernier en Floride. Voilà, on répare. Je sais plus si ça coûte de l'argent ou... Ouais, ça coûte de l'argent pour réparer, mais c'est pas bien méchant. Franchement, c'est pas bien méchant et ça coûte pas très cher. Alors, ensuite, il a dit qu'on allait pouvoir améliorer des trucs du navire. Donc on va voir ça. Acheter amélioration du Morrigan. Alors, c'est quoi qu'on peut améliorer ? Puissance pétrole, ouais, mais non, vu que je m'en sers jamais, donc non. Ouais, bah tant pis. En fait, le reste, comme vous voyez, c'est des, comment dire, des matériaux qui nous manquent, tout simplement. Donc, ouais, bah tant pis. Apparence du Morrigan, je m'en fiche un peu, donc bon, j'ai regardé s'il y a des trucs assez stylés, mais ouais, non. Ouais, non. Non. Non, 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 non. Encore figure de proue, elle coûte combien? Ouais, allez, pour le fun, mais voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas? Et c'est tout normalement, je crois. Ouais, c'est tout. Ok. Ok, ok, ok. Vente cargaison si on a des trucs qui nous servent à rien. Ouais, non, on a besoin. Ok, bon, bah, on va sortir de là. Donc, j'ai mis une nouvelle figure de proue, mais vu qu'on la voit quasiment pas, on s'en fiche un peu. Ah, il me sort quand même une cinématique pour ça. Ouais, bon. C'est pas vraiment utile. Et on va se diriger vers notre prochaine mission. On va la lancer, puis après, on se quittera. On va juste lancer la cinématique déjà. Alors, je remonte là-dessus. Voilà. Et on prend la barre. Direction, notre prochaine mission. Je vais essayer de pas me prendre l'iceberg qui est en face parce que je le vois venir, lui. Et non, merci, j'ai pas envie de me le taper. Quoique je vais y arriver. Non, c'est bon. Ok. On va aller vers le prochain bateau. Ah, 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 ah. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je crois que c'est écrit, vous devriez améliorer le Morrigan. Ça, les amis, ça sent mauvais. Ça pue du cul. Master Cormac, je ne m'attendais pas à vous revoir aussi vite. J'ai trouvé les plans de la véranderie, mais... ce démon a utilisé un code que je ne comprends pas. Peut-être y verrez-vous plus clair. Étrange. C'est un code très ancien. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Je peux vous dessiner une carte. Oui. Vous pourriez aussi m'accompagner. Et me conduire jusqu'au chevalier. Je vois que l'affaire est pressante. Fort bien. Nous ferons route ensemble. Ah,
Ok les amis, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc soit dimanche là, je ne sais pas si je ferai une vidéo sur un jour, mais possible. Soit mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Rogue. J'espère qu'on ne sera pas trop laminé parce que j'ai l'impression qu'il fallait améliorer le Morgan. Mais bon, tant pis, on verra bien. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes d'Assassin's Creed Rogue ou les prochaines vidéos du dimanche. En attendant, moi je vous dis geek et bien, c'était Shadow Nightmare et à une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Misérable vipère.